Le rappeur Kanye West, 44 ans, ne cache pas son désir de retrouver sa femme ou de la voir venir vers lui en courant. « J'ai besoin que tu reviennes en courant vers moi, bébé », a-t-il chanté pendant son interprétation de Runaway, de son album 2010, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pendant son concert de charité Free Larry Hoover. De son côté, Kim Kardashian a déposé une demande pour devenir légalement célibataire juste après cette déclaration d'amour du rappeur de 44 ans. Mais le père de Northwest, 8 ans, Saint West, 5 ans, Chicago West, 3 ans, et Sam West, 2 ans, ne se laisse pas décourager. En septembre, l'ex de la star de Kouai TK avait déjà acheté une maison de 57,3 millions de dollars à Malibu pour soi-disant rester proche de ses enfants, déclare le magazine Monster et Critics. Il ne s'est pas arrêté là, car récemment, Kanye West alias Ye vient de s'approprier un manoir situé à Malibu. Le manoir à 5 chambres a la particularité d'être situé juste en face de la maison où habitent Kim et les 4 enfants du couple. Mais bien que Kanye et Kim deviendront vraisemblablement des voisins, la star de télé-réalité campe sur sa position, elle insiste sur son divorce. Kim Kardashian, la star est à fond dans sa nouvelle relation, mais ne veut pas blesser Kanye. Les rumeurs sur la relation entre Kim Kardashian, 41 ans, et le comédien Pete Davidson, 28 ans, ont commencé en octobre 2021. Après le fameux baiser devant le public et les caméras du Saturday Night Live, le couple enchaîne les rendez-vous galants. De nombreuses photos et témoignages attestent des sorties des deux tourtereaux dans la ville natale de l'ex d'Ariana Grande, Staten Island. Le couple a même récemment vu le film Spider-Man ensemble. Néanmoins, Kim et Pete font presque toujours des sorties en groupe. Les sorties en groupe sont pour épargner les sentiments de Kanye, a déclaré un initié à page 6. Elle veut empêcher Kanye d'être blessé et dévasté, continue la source. Loading widget.